de lecture. Pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Ce soir, nous recevons Raoul Frais, auteur et metteur en scène, et Clémentine Bernard, comédienne, avec qui nous allons parler sport et théâtre à travers la pièce Du pain et des jeux. J'ai commencé le théâtre très tôt dans ma vie. Je devais avoir 5 ans et demi et j'ai jamais vraiment arrêté. Alors vers mes 8 ans, quand on me demande ce que je fais comme sport, je réponds tout naturellement du théâtre. Alors, ça amuse mes parents, et moi, je vois pas où est le problème. Pour moi, me demander mon sport, c'est demander ce que je fais le mercredi après-midi comme activité après l'école. Et même aujourd'hui, je ne comprends toujours pas bien d'où vient le problème. Si on y réfléchit, une compétition sportive ou une représentation de théâtre, c'est pas si éloigné. Il y a des gens qui viennent dans un lieu dédié, souvent pourvu de gradins, pour voir un événement en direct réalisé par un, un petit groupe de professionnels qui s'est entraîné pour ça et qui a un rôle précis. Le spectateur, il est venu chercher des émotions, il ne connaît pas forcément l'issue de l'événement, et puis, pour les deux activités, il est bien question de jeu. Mais est-ce qu'on peut réduire le théâtre et le sport aux seuls enjeux de performance et de divertissement Et quelles valeurs sont portées par chacun d'entre eux Est-ce que le public n'a pas son rôle à jouer dans le maintien de l'éthique de ces deux disciplines Alors, quand j'entends parler d'une pièce qui s'intéresse à ce parallèle entre le sport et le théâtre, mon mois de 8 ans tient peut-être sa revanche. Du pain et des jeux ça se déroule en l'an de grâce 2024, alors qu'une reine décide d'organiser les prochains Jeux Olympiques ouverts aux amateurs et même au public de la salle de théâtre. Elle recrée tous les éléments qui font des Jeux réussis. Hymnes officiels, interviews télévisées, starisation des athlètes et même dopage et corruption. Mais les prétendants au titre ont peut-être d'autres idées à mettre en avant. Le plaisir de participer, l'envie de se dépasser, de rêver plus grand, d'imaginer un monde meilleur, plus démocratique et tolérant. Des valeurs très politiques dans un univers qui se passerait bien d'aborder le sujet. Alors, est-ce que mon sport préféré restera le théâtre après cet épisode C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec nos invités. Vous nous écoutez sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts et vous nous regardez sous YouTube. Vous avez le programme à vos marques. Prêt Partez. Bonjour Clémentine, bonjour Raouf, vous allez bien Bien et toi Très ouais. bien, merci. Très bien. Bah. J'ai eu un peu de mal à décrire l'univers de la pièce, euh, le monde de la reine, sans doute parce que c'est un univers euh, foisonnant qui part dans plein de directions. On est dans le conte, le rêve, mais la comédie. Et à la fois, on aborde des sujets de manière très concrète, euh, parfois sombre aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, euh, bah, Raouf, de ce monde que tu as créé et Clémentine, de cette euh, reine que tu incarnes bah, Écoute, moi, j'ai je... beaucoup d'influences cinématographiques et euh... Et théâtral à la fois. Et du coup, je m'amuse toujours à ce que les univers soient très tranchés, voire même versatiles, qu'il y ait plusieurs univers qui cohabitent. Euh, la comédie et la tragédie, la farce, et puis la farce la plus de bas étage, et un peu plus de profondeur et de rapport aux politiques. Donc j'essaye de, de faire se, se frotter un peu tous ces univers dans mes spectacles. Et de la même manière que là, ça frotte entre le sport et le théâtre, ça, ça flirte aussi entre le, entre le l'univers populaire et, et, la, et le et le la dimension plus politique et tragique. Ok. Et euh, Clémentine, alors pour cette reine. Cette reine, j'étais en train de me dire euh, que j'avais pas encore trouvé un modèle comme ça euh, de reine. Bah, comment dire, elle est. Euh, oui, je vois ce que tu veux dire. L'univers est, est très fort, et dans le texte, et aussi euh, dans ce qu'on verra au plateau, et je pense aussi avec les costumes de Patrick, qui seront très tranchés, avec des couleurs très fortes. Elle est. <coughs> Comment dire Pour moi, elle est assez esselée. Elle est vraiment dans son monde, un peu comme ces gens qu'on imagine, parce que moi, je n'en connais pas vraiment, euh, privilégiés. Euh, depuis tout temps depuis qu'elle est née donc avec une, une réalité qui est vraiment la sienne sans assez déconnectée de, des autres et en même temps avec une envie euh, assez enfantine euh, qui peut être assez touchante et en même temps on pourrait dire euh, naïve euh, de, de rencontrer l'autre de, 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 de penser réussir à les comprendre et à, à savoir comment comment l'autre vit alors qu'elle n'est je pense euh, ouais centrée essentiellement sur elle-même et, et sur, sur ce qu'elle essaie de, de faire et donc de, de trouver des des choses à faire pour son pour son royaume pour son peuple et comment comment voilà comment déployer son son pouvoir et sa façon de de gouverner mais c'est pas évident pour elle parce qu'elle est oui, je la vois très seule, en fait, très... Alors, il y a le rôle du bouffon aussi, qui est, oui. qui est là avec elle, et son robot, Emilio, qui représente un peu l'intelligence artificielle. Mais, mais j'aimerais me trouver à terme un, un modèle de reine, parce qu'il y en a plein. Mais là, on a, on a travaillé, ça fait deux semaines qu'on travaille au plateau, et euh, on se retrouve dans... Dans deux semaines, et je pense que d'ici là, je reviendrai avec une reine bien concrète, ou plusieurs peut-être, comme justement ton univers est, est très. Comme tu disais, ça foisonne. Il peut y en avoir plusieurs. Oui, donc il faut préciser que la pièce euh, n'a pas. Il n'y a pas eu de représentation encore, vous êtes encore en, en répétition. Hein, oui, en exactement. Étape, donc il y a encore des. On a fait des deux semaines de répétition ouais. sur cinq semaines qui sont prévues. Et. Euh... Et on fait des allers-retours entre le plateau et le texte. C'est-à-dire que suite à ces deux semaines, on a modifié des choses en travaillant. Et puis je vais repasser dessus à l'écriture. Et le but, c'est d'avoir un texte définitif à la fin de la troisième semaine de répétition à Saint-Malo. D'accord. Oui, puis ça englobe beaucoup de choses. Parce qu'il y, y a le texte, évidemment, les acteurs. Il y a, il y a beaucoup de vidéos aussi dans le spectacle. Donc, euh... Et puis la façon de travailler de Raouf. Elle est, euh, c'est assez, ça peut être assez déstabilisant. Enfin, moi, ça, 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 ça me convient très bien parce que il, très vite, en fait, on fait des filages, on fait des traversées comme ça au bout de, ça peut être au bout de deux, trois jours, et finalement, le travail de détail, il arrive à la fin. Et souvent, la plupart du temps, enfin, en tout cas moi, avec les metteurs en scène avec qui j'ai bossé, c'est l'inverse. On commence par du détail, au fur et à mesure, et et avec toi, c'est l'inverse. On, on rentre vraiment dans la matière, on fait des grandes traversées, on commence des filages dès le deuxième jour. Mais en fait, ça permet d'éprouver vraiment le spectacle et de trouver petit à petit. C'est comme plusieurs couches, comme plusieurs couches de peinture. Et, et à la fin, ça, ça se dessine de plus en plus précisément. Oui, vous parlez de filage. Donc le filage, c'est répéter la pièce dans son ensemble. Voilà, et non pas ça. scène par scène. Un, un, un bout à bout, même, même grossier. Si je peux préciser là-dessus, euh, c'est important pour moi assez vite, comme c'est une écriture et le plus difficile, c'est de, de dévoiler son intime, de mettre des mots sur son imaginaire. Oui. C'est très important pour moi le plus tôt possible que l'ensemble de l'équipe ait conscience d'une trajectoire, même si elle va évoluer, mais d'une trajectoire globale du spectacle, aussi pour euh, savoir les outils qu'on a entre les mains, euh, notre petit bac à sable, notre règle du jeu. Notre petit univers, ce qui va permettre ensuite de prendre des libertés à l'intérieur sans en sortir, que l'univers ne soit pas complètement rompu, parce qu'il est bien déposé chez tout le monde. Mmh. Alors, la pièce s'appelle Du pain et des jeux. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où ça vient cette expression et à quoi elle fait référence Eh bien, elle fait référence à un poète romain de l'Antiquité qui s'appelait Juvénal. Et qui, euh, et qui a écrit à propos des jeux organisés par les Romains, Du pain et des jeux et le peuple sera content, il suivra aveuglément les lois des seigneurs-dieux et la suite du poème, je laisse Clémentine compléter. Le peuple est-il content Assurément. Il ne montre pas ses dents, il aurait honte, elles sont pourries. Du pain, il en a partout, sous toutes ses formes, pour tous les goûts. Souvent même, il n'est plus à son goût. Et il faut en faire des cendres qui rempliront les déserts au lieu de les nourrir. Voilà. Ok. <laughs> Waouh, de mémoire, c'est beau. C'est 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 très critique. Oui. oui. Euh, mais ça date. C'est pas d'aujourd'hui. Parce qu'on. Euh, comment euh, comment vous vous êtes emparé de ça justement de, de cette critique là en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon. Peut-être que ça reviendra dans, le, dans la conversation, mais, oui. mais je, je me lance quand même. Oui. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, donc moi je suis un grand fan de sport, je suis plutôt très boulimique depuis tout petit. J'ai fait 12 ans de foot et puis je regarde toujours et les Jeux Olympiques et d'autres sports, le tennis, plein de choses. Et, euh, et il y a quelques années, j'avais envie de faire un spectacle qui était un vrai faux match de foot. C'est-à-dire ça se passait, l'idéal c'est qu'il se passe, peut-être qu'il se fera un jour dans un gymnase. Et de scénographier entièrement un match de foot mmh. avec l'aléatoire du ballon. C'est le seul aléatoire, mais de scénographier euh, les actions, d'essayer de répéter les mêmes actions, euh, qu'il y ait un arbitre qui soit scénographié, qu'il y ait des fautes qui soient prévues, qu'il y ait euh, à la mi-temps euh, Bernard Tapie qui achète des joueurs dans le vestiaire, enfin, <laughs> sans lui faire offense évidemment. C'est un hommage <laughs> presque. Mais. mais voilà, de, de s'amuser avec le décorum du foot et de toutes ces histoires-là. Euh, mais dans, en jouant réellement au foot. C'est pour ça que je voulais que ça se passe dans un gymnase. Et puis, il y a quelques temps, comme j euh, je discutais avec Lucas Bonifay, le directeur du théâtre 13, et je lui ai dit, en fait, maintenant, j'ai envie d'explorer de, plus euh, le rapport euh, au sport en général et au mélange entre le sport et le théâtre. Et donc, on en est venu à ce, à ce du pain et des jeux. Et autre chose, c'est là où l'aspect critique est, est, est là. Euh, c'est que à l'origine, euh, je, euh, je voulais vraiment démontrer les points communs entre le sport et le théâtre, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et puis, dans mes goûts personnels, il y a quelque chose qui s'est décalé, c'est que je ne voulais pas que ça devienne un documentaire sur le sport, Oui, mais réellement une pièce de théâtre, ce qui fait que la reine apparaît, que le bouffon apparaît, qui sont des figures shakespeariennes qui, qui permettent de tout dire. Donc euh, pas seulement de, de faire un hommage au sport amateur, mais aussi d'être un peu dans la, dans la critique ou dans la vigilance envers euh, le pouvoir et comment il s'empare de la chose sportive et le business aussi, fin, de toutes ces choses-là. Ok. Euh, Raouf, tu es allé à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise, de la performance. Tout à fait. Euh, tu y as rencontré des athlètes, euh, des professionnels du sport, j'imagine. Oui. Comment ça nourrit la pièce bah écoute euh, en fait ce qui s'est passé c'est que donc j'ai eu un appel à projet avec la mairie de Paris euh, parce qu'ils font euh, une olympiade culturelle comme avant chaque, pendant chaque olympiade en fait pendant les quatre ans il y avait des projets culturels autour du sport donc j'ai postulé à ça et j'ai demandé à l'INSEP s'il voulaient bien m'accueillir un peu comme une, comme une petite souris c'est à dire que je venais, euh, je venais quand je voulais et puis j'observais les entraînements. Et puis il y avait des temps plus formels, euh, deux ou trois fois par mois, où je faisais un atelier artistico-sportif entre guillemets euh, avec euh, les sportifs qui le souhaitaient de l'internat majeur, c'est-à-dire c'est ceux qui dorment à l'INSEP et qui sont adultes et qui préparent les Jeux Olympiques en partie, puisqu'il y en a qui les préparent pour dans huit ans. Ou... Et donc je faisais un petit atelier théâtre avec eux, mais autour, j'inventais des exercices autour de, de leur activité. Par exemple, je leur demandais de décrire euh, euh, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils pensaient pendant la compétition en le moins de temps possible. J'ai mis des petites règles du jeu comme ça, qui leur faisaient s'exprimer de manière théâtrale sur leur rapport au sport. Donc, déjà, ça m'a beaucoup apporté en termes de. de comment dire De contenu euh, sur l'état d'esprit des sportifs avant et pendant la, la compétition, ouais. sur les entraînements. Mais après, moi, comme je disais, comme je voulais pas faire un documentaire, toute cette matière là, c'est comme si elle était là de manière invisible dans le spectacle. Elle va être là, mais euh, mais elle n'est pas de manière. Je, on ne raconte pas ce qui s'est passé à l'INSEP. C'est plus des sensations et comment après, au plateau, ben les, les acteurs ou le spectacle peut s'emparer de ces sensations là dans le rapport au sport. Oui. Ben justement, je me disais qu'il y avait une vision, euh, alors critique voire même pessimiste du monde du sport dans du printemps des Jeux. Euh, vous n'hésitez pas à parler de corruption, de dopage. Tu parlais de Bernard Tapie, bon, il n'est pas là, mais, mais pas loin. Euh, C'est loin des cérémonies d'ouverture, des beaux discours. Bon, il y en a aussi hein, dans la pièce. Oui. Euh, Est-ce que tu as montré ton travail ou le texte à l'INSEP Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus euh, Non, pas à l'INSEP parce que j'ai fini en juin ma, mon année là-bas. Euh, en revanche, ils sont évidemment tous les bienvenus et on va communiquer auprès d'eux pour venir voir le spectacle. Après moi c'est très important pour moi de dire que ce n'est pas les sportifs en eux-mêmes que je critique au contraire, oui. euh, c'est vraiment le, ce qui se passe autour. C'est-à-dire euh, bah, comment, euh, comment on oublie de parler du, du sport en lui-même et du sport amateur en particulier pour euh, se contenter de... de d'encenser ou de starifier certains sportifs. J'ai rien contre qu'il y Mbappé, mais je ne comprends pas ce qui se passe tout autour de ça et comment ça prend autant de place dans la société ou dans les médias, euh, alors que c'est le rapport à l'enfance, moi, qui m'intéresse dans le sport. Tu parlais de ta, ta, ta petite anecdote de ouais. quand tu étais jeune, mais moi, j'ai arrêté le foot pour faire du théâtre. Donc c'est intéressant aussi. Ouais. Donc, euh, donc j'espère qu'on va réussir à ce que ça reste un hommage au sport tout en, tout en, ayant, tout en restant attentif à ne pas en, ne pas en faire euh, du sport business ou du sport politique. Tu avais échangé avec euh, les sportifs là-dessus précisément ou pas Oui, dans, dans certains exercices, euh, je leur avais demandé aussi leur rapport à la, à la politique du sport. Euh. Mais ils étaient très euh, timides là-dessus, et je comprends très bien, parce qu'en plus c'est un institut national, l'INSEP. Mais ça, ça se passait très bien pour eux. Mais ce qui m'a frappé, c'est que ce n'est pas parce qu'on est à l'INSEP qu'on qu gagne sa vie. Enfin, c'est un institut de formation, donc, euh, enfin de, de, de formation euh, longue durée. Mais il mais y a beaucoup de sportifs bah, qui doivent travailler à côté, qui doivent préparer aussi euh, l'après-sport. Euh, donc, ils sont dans un, dans un rapport, euh, la plupart du temps, assez précaire aussi euh, à leur travail. Donc, euh, donc là-dessus aussi, c'est intéressant par rapport euh, au reste de la société. Même nous, à euh, nous artistes aussi, qui sommes dans ce rapport-là, il, il y a des points communs aussi dans dans cet effet-là. Ah oui, dans l'idée que pour quelques stars de la discipline, euh, mmh. on a une image de personnes souvent assez riches, très populaires. Exactement. Et derrière, il y a la majorité des comédiens ou des sportifs qui sont dans une plutôt... Euh, enfin, qui, qui peuvent avoir plus de difficultés financières, qui sont dans voilà. d'autres réalités. C'est euh, un labeur, c'est un métier, c'est un travail, et, et donc ça, évidemment, pour les trois quarts d'entre eux, c'est une difficulté aussi euh, réelle. Après, je ne veux pas parler à leur place, hein, mais, mais c'est ce que j'ai re ressenti en tout cas en, en échangeant avec eux. Oui. Euh, la création de la pièce elle a commencé en 2022, ça je me trompe pas. Oui. Ouais. Ça, ça veut dire euh, 2022, ça veut dire poser euh, les premiers mots sur ce que ça allait être on va dire. Et, euh, et, et après l'écriture a commencé l'année dernière en parallèle de, de l'INSEP, de cette immersion à l'INSEP. et on a fait une petite maquette en avril au dernier au théâtre 13, en mai dernier au théâtre 13, où il y avait une demi-heure de, de tentatives. Il y en a qui sont restés dans l'écriture ensuite, d'autres qui sont qui sont partis. Mais euh, et après, j'ai eu six mois d'écriture où je suis passé par différentes phases. Et les comédiens ont le texte depuis un mois finalement. Hmm. Et alors, donc entre-temps, entre, euh, après 2022, on a on a appris concernant les JO. Euh, euh, plusieurs petits euh, scandales dans la mise en place de ces JO, notamment des déplacements de sans-abri, des expulsions de populations démunies ou d'étudiants. Il y a des lois qui sont passées, notamment sur la vidéosurveillance, dont on craint qu'elle reste après les compétitions. Euh, comment, euh, comment vous avez vécu ça pendant la création Est-ce que c'est des choses qui vous ont interpellé Est-ce que, est que vous avez eu envie de vous emparer de ça ou surtout pas bah. Forcément, ça interpelle. Euh... Ça a pas en fait ça arrange pas les choses c'est à dire ah. que, <laughs> que tu commences à, à faire déraper le spectacle vers la dystopie mais c'est pour s'amuser aussi enfin on, on se prend pas au sérieux donc il il ouais. a un côté euh... mais c'est vrai que petit à petit on te donne du on te donne à manger quoi donc euh, donc ah oui. euh, ça rejaillit forcément sur le spectacle mais après on est vraiment comme on est sur des figures déjà on a une reine un bouffon et euh, c'est ce petit robot en plastique des années 80 qui est qui est Emilio et qui représente l'intelligence artificielle. Donc, on a déjà euh, dans notre matière des choses qui représentent aussi ce rapport au pouvoir, euh, ce rapport à, au scandale entre guillemets. Mm. Donc, euh, mais on essaye que ce soit plutôt sous-jacent et puis euh, et puis traité de manière ludique. On va pas faire un pamphlet sur euh, sur le problème des Jeux Olympiques. Et puis, euh, ce qui est important pour nous, c'est que le spectacle ne s'arrête pas au fait qu'il y ait des Jeux Olympiques cette année en France oui. et à Paris, mais qu'il puisse durer et, et le rapport au sport. Enfin, le sport ne va pas s'arrêter après les Jeux Olympiques, euh, comme le pouvoir, comme le business, comme tout ça. Donc, on cherche l'universalité par ce spectacle et pas juste euh, pointer du doigt les problèmes qu'il y a et qu'il y aura encore jusqu'au jusqu JO cet été. Mais c'est vrai que ça nourrit. Oui, bah oui. <laughs> euh, bah justement, revenons sur la reine, euh, parce que c'est vrai qu'elle a un aspect très cynique, c'est elle qui représente le pouvoir dans cette pièce. Euh, mais il y a aussi, euh, là aussi, comme tu disais tout à l'heure, Clémentine, il euh, y a son envie de faire une pause, une trêve, elle dit, une trêve des mésaventures qui en découlent. Euh, et c'est vrai, est-ce qu'on n'a pas aussi euh, le droit d'avoir envie de faire une pause du monde qui nous entoure et qui nous étouffe et, euh, et de se divertir avec des jeux, et de, de détourner le regard de, de ce qui ne va pas, et de, et de se plonger, euh, de se plonger dans le, dans le divertissement, quoi. Euh, moi, je la comprends tout à fait. Moi, je, euh, comment dire, j'ai ce rapport au sport là. Enfin, j'adore le sport. Euh, j'adore le regarder. Euh, J'en ai jamais fait. Moi, je faisais du théâtre, comme toi, très jeune. C'était mon sport à moi. Mais j'ai toujours adoré ça. Et donc, c'est sûr que. Je sais que je vais regarder, euh, par exemple, les, les Jeux Olympiques euh, prochains, mais, mais sans oublier euh, euh, les, les scandales, euh, la façon dont c'est fait, comment c'est fait. Euh, mais je sais que, je, que je, vais, je, vais, je vais regarder comme la reine qui, qui, qui les organise, qui d'un coup se dit on va faire ça, euh, pour, pour, parce que je, je trouve l'émotion du sport très proche de l'émotion du théâtre et ça m'a ça toujours énormément plu, que ce soit. Mais ça peut être. Je peux, je peux vraiment m'intéresser à des sports, euh, je sais pas, euh, où tir à l'arc, alors que je n'ai jamais regardé ça, parce que ça passe au JO. Et que. Et qu'à ce moment-là, j'oublie tout ce qu'il y a derrière et comment c'est fait. À ce moment-là, précisément, et je pense qu'elle aussi. Euh et après, pardon, mais et cette histoire de trêve aussi, c'est un. C'est quelque chose qui existe réellement, euh, c'est-à-dire que les membres du CIO. Sont censés faire une trêve olympique pendant, pendant les JO, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de guerre ou d'attaque armée ou de choses comme ça. Et évidemment, ce n'est quasiment jamais respecté par ses membres. Le dernier en date, c'est la Russie quand ils attaquent l'Ukraine, c'est les Jeux Olympiques d'hiver, donc ils ne sont pas censés attaquer l'Ukraine à ce moment-là. Donc ça existe dans, concrètement dans la réalité, cette chose-là. Donc c'était important aussi pour nous de s'ancrer dans quelque chose de réel pour le, pour le décaler ensuite. Et oui, bien sûr qu'on a besoin de se divertir et de voir du sport et d'en faire aussi. Et de se marrer un bon coup. Oui. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais qu'on arrive au lien avec le, le théâtre. Euh, donc la pièce est toujours en cours de création. On n'a pas pu voir la pièce, mais on l'a lue. Et quand on la lit, euh, on ne trouve le mot théâtre qu'à deux moments. Il euh, doit y avoir d'autres références, hein, moins, mmh. euh, moins explicites, euh, vous nous en parlerez. Mais euh, commençons avec la première, euh, la première occurrence du mot théâtre dans le texte. Je ne sais pas si vous savez laquelle c'est. Non, attends, je suis en train de chercher. C'est théâtrone ou. Alors, alors ce n'est pas vraiment le mot théâtre, c'est vrai. Je me, je me suis trompé, mais c'est tellement évident que je pensais que c'était le mot théâtre, en fait. Euh, c'est les, les trois coups Ah du oui. théâtre. Oui, je pense la première, pour moi, la référence la plus criante qui arrive, là, c'est les... on entend les trois coups qu'on entend normalement, qu'on entendait avant le... Qu'on n'a pas encore fait en répétition, d'ailleurs. <laughs> ah, bah ça, tiens, ça me fait penser dire. que... Je viens de vous le dire, pourtant c'est ce voilà. une super idée. Mais... <laughs> oui, les trois coups qui marquent euh, l'ouverture des Jeux olympiques. Oui, raconte-nous ça. Euh, bah, L'envie, évidemment, c'est de faire frotter ces deux univers, comme on le disait tout à l'heure. Et... Euh, c'est de s'emparer du folklore de la cérémonie d'ouverture puisque elle va annoncer la reine c'est ce qu'on dira tout à l'heure qu'il va y avoir cette trêve olympique et qu'elle organise des jeux olympiques ouverts à tous et puis derrière sans transition on va, on va faire une fausse cérémonie d'ouverture des jeux olympiques et qui va être annoncée par les trois coups du théâtre euh, comme comme les jeux olympiques sont un spectacle de la même manière qu'un spectacle de théâtre donc on, on essaye de se faire se mélanger les deux, les deux conventions, le décorum olympique et la convention théâtrale. OK. Et alors, bon, là j'ai parlé des trois coups, mais euh, euh, tout à l'heure tu parlais de Shakespeare, tu ouais. parlais de personnages euh, shakespeariens aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut, qu qu peut voir d'autre euh, comme parallèle euh, dans, dans cette pièce que tu as, que as mis en place ouais. Tu veux que je développe sur Shakespeare ou c'était plus euh, ce qu'il y a d'autres encore C'était pour te lancer, ouais, mais, ouais. Euh, mais là où là autant envie d'aller. Je te suis. Ok. Eh ben, Allons-y. Euh, Shakespeare pour son côté euh, versatile, pour la profusion de, de ce qui peut y avoir entre la comédie et le tragique et tout mélangé, et puis euh, et puis le, le rapport entre le sport et le théâtre pour moi. Alors qu'il euh, y en a très peu, enfin, j'en en vois pas dans le cinéma, par exemple. Il oui. y, a, y a un rapport, mais c'est l'instant présent. Euh, au théâtre, on ne peut pas reproduire deux fois la même chose, comme l'aléatoire d'un ballon ou d'une flèche pour le tir à l'arc et tout ça. Donc, c'est... On, on est toujours euh, sur la lisière de, de c'est le moment présent. On, même si c'est des paroles et. et c'est des paroles qu'on qu manie au théâtre, mais c'est aussi un corps qu'on manie. Et il faut trouver le geste juste. De la même manière qu'il faut réussir, réussir une passe juste, ou un tir juste, ou un coup droit juste au théâtre, ben, je transmets la, la balle, la parole à Clémentine. Ça doit être quelque chose d'unique, et ça doit passer au bon moment. Ça a une rythmique propre, ça a une langue, et ça a un corps. Et pour moi, ce parallèle-là, il est, il est très. Enfin, c'est peut-être que je, je fabule, mais pour moi, c'est très proche entre le sport et le théâtre. Et la deuxième chose, je l'ai perdu de vue. Euh, C'était pas en rapport avec Shakespeare Non, mais c'est aussi la concentration. Enfin, il y, y a quelque chose où. Euh, mm. Avant, le, avant une représentation ou avant une répétition, ben, il y a des échauffements, il y a ce que le spectateur ne verra jamais, mais on, on a aussi ben, un échauffement, une préparation, une concentration, un rapport à l'hygiène, un rapport à la nourriture. On a tout ça qui se met en place aussi avant une représentation théâtrale pour pouvoir euh, durer et être dans les meilleures conditions euh, physiques pour, euh, pour exécuter ce qu'on a à faire sur scène. Donc il y a aussi ça qui, qui pour moi est, est très proche. Et puis il y a le rapport au public. qui est. Euh, J'ai toujours pensé que le spectateur de, de théâtre, on doit réussir à le mettre dans une position de supporter, dans une position active. Ça ne veut pas dire qu'il va se mettre à, à entonner des chants pendant une représentation théâtrale, mais comment il, on le met avec nous et pas contre nous. Donc comment on l'embarque dans notre situation, et donc ça veut dire être généreux de notre côté, comme la générosité du sportif, être ambitieux, dynamique, et comment créer cette cette émulation. Oui, je pense d'ailleurs sur ce rapport au public, euh, j'imagine pour les athlètes peut-être aussi, pour les sportifs aussi, mais je sais que quand tu es acteur et que tu es au plateau, en fonction de ce que tu sens de la salle, des spectateurs, de mmh. ce qui te renvoie, soit ça te... Si c'est si, si tu sens que tout le monde est absolument avec toi ou avec euh, ça te galvanise, ça te porte. Et au contraire, si tu sens les gens euh, comment dire plus, plus réfractaires et, et, et le, comment ça peut te te donner un challenge d'essayer de les récupérer, enfin les récupérer, ça veut dire que tu les as perdus, mais euh, en tout cas de les emmener avec toi, de les, de les ramener à ta cause. Et, et, et ça, c'est vraiment quelque chose. J'imagine dans un stade où euh, ça peut être aussi similaire, ce, ce, comment, comment tu te sers de ce que le public te renvoie. Ou de ce que tu s'ennuies, même si, en effet, au théâtre, a priori, il mmh. ne hurle pas. Mais ça aussi, je pense que c'est un point commun. Oui. Oui, c'est vrai que j'ai hâte de voir les moments où le, on aura un public au théâtre qui va, qui va hurler, se lever, applaudir <laughs> dès le début. Oh, oui. C'est un, un petit rêve personnel, mais, oui. euh, <laughs> mais c'est vrai que enfin, j'aimerais que le, le théâtre ramène autant que, de, de spectateurs que le sport. Surtout après avoir vu qu'il y a, y a pas mal de points communs, finalement. Oui. Euh, la dernière occurrence du mot théâtre, c'est à la fin. Il y a un personnage qui s'identifie à une personne du public et qui dit, je cite, ⁇ Oh, vous savez, là, au théâtre, ce soir, je suis venu voir une pièce, j'avais des amis parce que je suis parisienne, parce que j'ai fait du théâtre amateur à mes heures perdues, et, et je vais voir les copains, au pire, on boire une petite bière. Euh, Est-ce que c'est ça le public de théâtre aujourd'hui Les Parisiens, les potes des comédiens et des comédiens eux-mêmes ⁇ euh, Oula. Oh. <laughs> non, ça ne peut pas se limiter à ça, ouais. J'espère pas non plus. En tout cas, à Paris, il y a un petit côté comme ça, mais je crois que c'est normal. C'est là où il y a le plus grand nombre d'écoles de théâtre, euh, et puis c'est l'effervescence aussi. Nous, quand on était à l'école de théâtre, ben, on allait voir des spectacles, on allait voir euh, les amis jouer, on découvrait d'autres pièces de gens qu'on connaissait pas du tout, ouais. et ça fait une grosse partie, ça fait un gros public quand même. Donc, euh, donc on peut, euh, si on est très critique avec ça, on peut dire qu'il y a un peu d'entre soi, mais je crois que c'est propre à tous les métiers, c'est que tu rencontres aussi les gens euh, qui travaillent dans le même domaine. Et euh, donc ça, ça existe, mais normalement ça devrait être une force, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pousse et ça devrait créer une émulation. Euh, plus il y a d'artistes et plus il euh, y a de personnes pour aller à la rencontre du public qui ne fait pas de théâtre et pour euh, l'amener. Euh, vers ça, vers le théâtre. Et après, euh, sans, sans tout raconter, c'était aussi, ce, ce, la petite citation là, c'est aussi pour amener, euh, je, vais, je vais quand même le dire, parce qu'il y a une des actrices qui, qui, est, euh, qui participe aussi aux Jeux olympiques, et puis là, elle se retrouve à discuter avec la reine, et, euh, et c'était pour éviter la starification de de l'actrice qui est un peu spectatrice aussi, mais plutôt travailler sur quelque chose d'ordinaire, de rendre hommage à, bah, à, à l'ordinaire plutôt qu'au spectaculaire. Donc plutôt de passer par en dessous, c'est-à-dire se dire, bah, oui, elle est juste venue au théâtre parce qu'elle a des potes et tout, et tout ça, et comment ceci va se transformer petit à petit en quelque chose de plus grand, puisqu'elle va prendre le pouvoir, elle aussi. Hmm. Oui, une question de pouvoir. C'est vrai que euh, je n'ai pas, euh, pas trop abordé ça dans mes questions, mais c'est vrai que je t'entends parler pas mal de, de la question du pouvoir, euh, du pouvoir euh, dans, dans la pièce. Euh, et c'est vrai qu'on entend pas mal de, de responsables politiques euh, qui ont appelé euh, ces dernières années à ne pas politiser le sport. Alors, est-ce que c'est voilà, -ce est un rapport avec justement le, le, le pouvoir Et qu'est-ce qui se joue euh, dans, dans le sport avec, euh, avec le pouvoir D'après toi, vaste sujet. Ouais. Bah, déjà, tu réponds un peu dans ta question. C'est-à-dire que pour moi, ça devrait être séparé, le pouvoir et le sport. Après, on ne va pas être naïf. Euh, évidemment, que, euh, on n'a qu'à regarder à chaque fois que la France a gagné des choses, comment tout de suite, s'il y a des gens qui viennent se mettre sur la photo, comme on dit, pour... Euh, pour montrer qu'ils sont proches du peuple parce que eux aussi regardent les mêmes choses que le peuple et que et, et je, je dirais même pas je dirais pas jusqu'à dire que c'est que c'est négatif mais ça, ça existe c'est à dire que le pouvoir c'est l'impact qu'a le sport dans la société donc essaye de soit soit de bonne foi soit de mauvaise foi pour certains essaye de d'être là à côté des sportifs au moment où où, où la France gagne comme on dit euh, après, j'ai l'impression que là où euh, le pouvoir, il est là un peu dans toutes mes pièces, mais parce que je pense que la question que je me pose le plus au théâtre, c'est quelle est notre place dans la société et, euh, et donc euh, quel, humblement comment on peut agir dans la société à notre place de citoyen. Donc évidemment quand que pour y répondre, enfin pour se poser la question, parce que moi j'aime pas donner de réponse, parce que je ne les ai pas, mais euh, j'aime bien confronter euh, de l'infiniment petit à l'infiniment grand et euh, au grand de ce monde, entre guillemets, euh, donc aux dirigeants, comment, euh, qu'est-ce qu'ils font du pouvoir qu'on leur donne. Et du coup j'aime bien que dans les spectacles comme celui-ci, ben, tout à coup il y a une reine, ça, ça m'intéresse plus de savoir. Euh, que fait, euh, que fait la reine plutôt que que fait le Raouf Raïs quoi, que, que fait le citoyen comme moi, le citoyen lambda Mais que fait la reine quand, elle a, quand on a tout ce pouvoir ben, Qu'est-ce qu'on ferait, nous, si on avait tout ce, tout ce pouvoir Ce qui permet de questionner aussi euh, le, la nature de chacun, en fait. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair. Oui, on se pose la question de qu'est-ce qu'on qu qu ferait, nous aussi, avec ce pouvoir et, euh... oui. Parce que c'est facile aussi de, de le critiquer, mais une fois Oui, compris, exactement. Dans quel euh, qu'est-ce qu qu'est-ce que nous, euh, qu'est-ce qu'on ferait de mieux Oui, exactement. Ouais, tu, il y a la question de la démocratie aussi, ouais, dans, 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 dans la pièce. Ouais, de comment comment on gère, comment on instaure la démocratie et comment le sport peut nous aider à ça. Ouais. Et, mais, puis, mais... et puis comment euh, comment les mots aussi euh, comme démocratie en fait, euh, sont vite euh, galvaudés, c'est-à-dire que on est dans une démocratie, donc tout va bien. Et puis en fait, on est dans une démocratie, et puis on se rend compte, bah, tu parlais de, de la vidéosurveillance, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il y, y a ce petit robot euh, Emilio qui est là pour parler de l'intelligence artificielle, sans vouloir parler de tout, puisque. Mais c'est un ensemble, en fait, de choses qui font que petit à petit, ça se décale. On a beau être en démocratie, on est de plus en plus euh, euh, surveillé. Euh, et. Euh, et là, ça a l'air très sérieux, mais dans les. J'allais <laughs> dire, dans ce, les faits, ce, le but, ce robot m'a fait rire, m'a vraiment fait rire. Oui, il est génial. J'ai pas pu l'amener parce qu'il est, peu... est un peu, lourd en ce moment parce qu'on lui a rajouté une plaque pour le suspendre au centre du théâtre. Mais c'est un tout petit robot des années 80. C'est un robot italien qui a un nom de série qui s'appelle Emilio. Et on fait parler un acteur à sa place. Il y a un acteur qui va être enregistré ou une actrice. Et, et c'est la voix qu'on a dans nos téléphones pour nous parler, sauf que là, c'est la voix de la reine. Donc il s'adresse aussi au peuple. C'est lui qui établit des règles pour les Jeux olympiques aussi. Et, et voilà, il est immanent comme ça. Et puis c'est cité dans le texte, mais ça me rappelle le film de Spielberg, Intelligence Artificielle AI où à la fin, c'est le petit robot, il se retrouve avec des extraterrestres qui lui racontent l'histoire de l'humanité, et, euh, et c'est assez terrifiant en fait, puisque du coup, il n'y a plus d'êtres humain, c'est juste les extraterrestres qui racontent au petit robot l'histoire de l'humanité. Mais depuis qu'on a répété, euh, qu depuis qu'on vient de répéter, euh, j'entends Emilio, euh, je me, j'en avais déjà pris conscience auparavant, mais là, j'ai pris le train, tout ça, sur euh, n'oubliez pas vos, enfin, le nombre de fois où on nous sollicite, où on nous on nous dit de, de, de on nous donne des ordres j'exagère mais oui ce que je, euh, oui tout, les voix automatiques dans l'espace public tout le temps c'est vraiment les ah oui oui, oui c'est incessant plus notre téléphone à nous oui 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 qui revient, qui ouais. revient à l'attaque et c'est vrai qu'Emilio bon il m'a beaucoup fait rire je, je regrette parce que je, donc je n'ai que lu la pièce et je me dis mais à quoi va ressembler ce robot quelle voix il va avoir à quel point il va être euh, il va être mobile parce qu'il met vraiment l'épée dans le plat il est très dynamique euh, et euh, c'est lui qui nous rappelle aussi un peu l'essence des JO. Il me semble que c'est lui qui rappelle oui. euh, le concept de trêve. Oui. Euh, donc voilà, il fait souvent des petits rappels comme ça euh, qui, qui mettent un peu des parce que parce que voilà, il, il rappelle des choses qu des concepts qui ont été un peu un peu fourvoyés depuis. Mais euh, oui oui c'est mais bon, ça c'est le, le, le jeu de la lecture, on n'a on a pas ça, et ouais. je, serais, je serais curieux de voir ce que, ce que ça donne et quel, quel t -t il a. Et justement quand on s'est rencontrés, euh, Raouf, c'était euh, en 2023, en juin 2023, donc la pièce n'était pas encore créée, et pourtant tu pouvais déjà nous dire de quoi elle allait parler. Ouais. Et ça c'est assez fou, parce qu'il y, y a comme une promesse à tenir. Et euh, est-ce que beaucoup de, de pièces fonctionnent comme ça C'est-à-dire, elles peuvent déjà se, se présenter, euh, annoncer des dates, euh, et euh, sans avoir forcément la, la pièce écrite Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne bah, Écoute, il y, y a deux choses. Il y a l'aspect euh, économique qui fait que, de toute façon, pour pouvoir monter un spectacle et, et faire des salaires aux comédiens, et créer un spectacle, il faut pouvoir le présenter en amont à des partenaires, que ce soit les théâtres, ou des institutions, ou des mairies... Ou ou la région, le département, etc. Donc ça veut dire qu'en amont, il faut pouvoir mettre des choses, et parfois c'est plutôt désagréable, puisqu'on a une envie, mais on a envie d'abord d'essayer des choses et qu'on nous fasse confiance. Euh, donc ça peut être désagréable, et en même temps ça a son avantage, c'est que bah, tu es assez vite obligé de mettre des mots sur ce que tu veux faire, et ça te permet aussi de commencer à poser une écriture. Là-dessus, bon, là, l'écriture est plutôt protocolaire parce que ça va être sous forme de dossier, c'est-à-dire qu'on va envoyer des dossiers à des partenaires éventuels. Et, et ce qui fait qu'en effet, on, est, euh, on prend l'habitude d'avoir deux ou trois ans en amont, voire plus pour certains, euh, une idée globale de ce qu'on peut faire, de ce qu'on veut faire pour le présenter à d'éventuels à partenaires. Et pour toi, Clémentine, en tant que comédienne, tu entres dans un projet, mais euh, tu sais, tu sais pas forcément comment il va évoluer. Comment ça, comment tu vis ça du côté des comédiens Ah moi, je le vis plutôt bien. J'ai pas de, j'ai pas de soucis avec ça. Même si, euh, comment dire, euh... enfin là, en l'occurrence avec Raoult, je sais que le dialogue est toujours possible, euh, qu'il a pas, qu'il y, qu y a toujours une grande bienveillance. Donc. Euh... Je veux dire, quand bien même je me rends compte que ça va à un endroit que j'avais pas imaginé au, au départ, ça ne me dérange pas, je sais que je peux en parler. Et je... Non, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète rarement. Euh, yeah. De ne pas savoir où ça va ou si ça change de direction en cours. Ça ne m'inquiète pas. Alors si vraiment, ça, c est, c est, c est, c est, je ne sais pas moi si on parle d'une phrase ou d'un passage que, que je ne me sens pas capable de, de dire ou de défendre. Là, évidemment, j'en parle, mais ça ne m'est jamais arrivé. Et, euh, et non, ça ne m'inquiète pas du tout. Et après, c'est très important, euh, même si on a posé ces choses sur un dossier et tout en amont, euh, de garder justement cette liberté de pouvoir en, en changer euh, au plateau. C'est-à-dire qu'une phrase, elle se teste au plateau. Euh, des idées de mise en scène, ce qu'on appelle les didascalies. Moi, j'aime bien écrire des didascalies pour dire ce que j'ai envie qui se passe. À chaque fois, il y a quand même un, un écart entre ce qu'on a, ce qu'on a pensé, ce qu'on a imaginé, et le théâtre qui nous rappelle le plateau ou le, mmh. ou le comédien qui va modifier cette chose-là et nous faire réécrire derrière. Donc, c'est important de rester ouvert et, et libre, même si on a pensé en amont beaucoup les choses. Ouais. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, euh, qu'on te reproche, euh, d'avoir trop dévié de l'idée de départ ah, D'avoir trop... Trop, de... ouais, de... trop dévié de l'idée de départ trop dévié. Qu'il y ait une salle euh, qui, 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 qui avait qui a, qui a pris des dates, vous disent mais en fait c'est pas du tout euh, ce dont on avait parlé il y a, il y a deux ans. Euh... Ça ne m'est pas arrivé précisément. Ça ne m'est pas arrivé à moi. Ouais. Mais, mais j'ai déjà entendu parler de choses. Et pas de la manière... Euh, pas juste je suis déçu parce que je pensais que le spectacle il allait être mieux, mais plus de dire, oui, dans le dossier, il y avait ça, et puis là, ça y est plus du tout, comme un reproche. Euh, oui, ça, ça arrive. Ça arrive. Après, euh, c'est très important, enfin, je ne vais pas leur faire la leçon, mais les gens qui nous accompagnent, les partenaires, les, enfin, ils sont là pour nous accompagner, normalement. Donc, euh, oui, ils donc sont accompagner euh un artiste, c'est être ouvert à la possibilité que, que le projet se décale parce que. Ou évolue. Ou, ou évolue. Chose, ouais. Donc, la plupart du temps, franchement, euh, quand quelqu'un a décidé de t'accompagner, il, il le fait jusqu'au bout. Ils sont plutôt rares les exemples. Mais il y, y en a. Tu parlais que tu aimais bien marquer des didascalies. Oui. Euh, J'en ai remarqué quelques-unes. Tu marques euh, Nous travaillerons cela en répétition. Oui. Alors, comment tu travailles concrètement On en parlait un petit peu avec Clémentine, hein, mmh. sur, sur des points particuliers où tu veux arriver et pour lesquels tu n'as pas encore forcément de, de réponse. Comment ça se passe Tu travailles en impro euh, Comment, tu, comment tu, tu travailles ça il y, a, il y a une part d'impro, évidemment, qui vient de, de toute façon de, des comédiens, une fois qu'ils qu s'emparent de la chose. Euh, C'est un texte à trous, en fait. C'est-à-dire que tu mets une didascalie et en fait, comment on va pouvoir le. Le, le faire. Et, euh, et après, moi, c'est peut-être mon, mon éducation ou ma formation théâtrale, mais j'aime bien, et quand bien même c'est mon texte et que je suis très humble avec ça, que je le prends pas au sérieux, euh, j'aime bien, parce que je suis aussi comédien, j'aime bien quand on s'empare d'un texte d'essayer de commencer d'abord par essayer de le faire. J'ai eu des expériences très désagréables ou euh, des metteurs en scène. Où, euh, qui décide, de, en fait, il y a un texte existant, et puis c'est comme si on cherchait déjà comment le contourner, euh, pour amener autre chose, pour amener ce qu'on a envie. Donc j'aime bien qu'on essaye d'abord exactement ce qu'il y a écrit, et puis on voit ce qu'on arrive à faire, on voit comment ça résonne, et puis on change si on n'est pas content de, de ce que ça rend. Euh, ce qui fait que ça rejoint ce que disait Clémentine aussi, que très vite, on voit un, un ensemble c'est qu'on a concrètement le texte que je t'ai envoyé c'est ce qu'on a commencé par essayer. Il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser par exemple à un moment je, pendant j'ai envie qu'un régisseur prenne feu. Donc pour l'instant ah oui, j'ai vu ça aussi. <laughs> pour l'instant le scénographe est en train de s'emparer de, de l'idée <laughs> et, économi et économiquement et de manière réaliste mais là en répétition on n'avait pas les moyens de le faire donc on a transformé cette idée en quelque chose de plus simple et le régisseur, pour l'instant, ne brûle pas, mais allume des allumettes et il y, y a une cérémonie d'ouverture qui se déroule comme ça. C'est aussi le jeu pour toi, de, aussi, de lancer des propositions, des désirs que tu as sur les, sur, sur les premières versions de texte, pour voir si, euh, si on peut y répondre, si le scénographe peut y répondre, oui. si les comédiens peuvent, euh, peuvent se lancer là-dessus. Bah, c'est très important et c'est très important pour l'équipe d'avoir de la matière, euh, de la matière à penser et de l'imaginaire à développer. Euh, et puis en plus, du coup, euh, bah, par exemple, le costumier, il lit le texte, après il voit des répétitions, et puis il amène complètement un autre univers qui s'ajoute au mien. Est pas, euh, il n'est pas là pour euh, illustrer ce qui, a, ce qui a écrit ou ce que j'ai inventé, de la même manière que les acteurs. Euh, enfin, Clémentine, quand elle joue La Reine, a transformé déjà en deux semaines. Euh, elle n'a pas transformé le texte en lui-même, mais ce qui dégage euh, dans la manière dont elle incarne les choses. Donc, c'est vraiment euh, scénographie, lumière, costume, scéno, acteur. J'ai dit deux fois scéno. <laughs> c'est vraiment quelque chose qui vient, qui vient compléter le texte, en fait. Et aussi, on sent vachement, euh, quand on travaille avec toi, que tu es acteur. Ça, c'est très agréable. Parce qu'il y a quelque chose où. où on, 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 comment dire On sait que tu sais. Enfin, on sent que tu sais. Et. Et ça, c'est ouais, très confortable parce que, parce que ça, 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 ça s'entend dans ta façon de diriger. Euh... ouais, ça, c'est vraiment, vraiment bien. C'est vrai. <laughs> vrai que euh, j'ai toujours fait les deux, en fait, depuis, euh, depuis que j'ai 20 ans. Euh, on avait une compagnie universitaire, donc on faisait des petites choses aussi. Et euh, après, ce qui m'a toujours fait vivre jusqu'à il y a quelques temps, c'était acteur. Euh, au théâtre, mais j'ai toujours eu besoin d'écrire à côté et de mettre mes spectacles. Pour moi, c'est un équilibre, en fait. C'est que j'ai besoin de dire ce que j'ai envie de dire euh, par des mises en scène et en même temps d'être acteur pour euh, faire, là, pour le coup, comme à la manière d'un sportif et se mettre au service d'autres imaginaires que le mien. Et c'est vrai que ça, ça fait gagner un peu de temps euh, d'être acteur. Quand tu après tu fais travailler des comédiens euh, parce que bah, tu les comprends un peu mieux donc euh, tu sais les questions qui peuvent se poser que tu te poses toi quand t'es acteur donc c'est vrai que j'imagine qu'on gagne du temps avec ça. Alors quand on s'est appelé il euh, n'y a pas si longtemps que ça Raouf euh, euh, tu étais à Avignon dans le sud tu m'as dit que la pièce avait été créée là puis qu'elle allait migrer à Saint-Malo puis à Cavaillon je me trompe pas. Oui. Ouais. Enfin, elle était répétée à Avignon. Elle était répétée à Avignon. Puis elle, elle est répétée à Saint-Malo, puis à Paris, et elle est créée au Théâtre 13 à Paris. Ah, puis à Paris Parce que j'allais dire, on n'entend pas parler de Paris pour une fois, ça change. Oui. Euh, justement, qu'est-ce que ça change pour toi, pour la vie de la pièce euh, Qu'est-ce que ça change C'est une très bonne question. Et pour toi aussi, Clémentine d'ailleurs. Qu'est-ce que ça change que ce ne soit pas à Paris Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de création euh, en région. Tu veux dire, qu'est-ce que ça change de ne de pas... De pas répéter à Paris oui, Parce que j'ai l'impression, souvent, quand on entend parler des pièces, euh, bon, elles sont souvent jouées en priorité à Paris, mais aussi les créations, souvent, sont, sont à Paris, dans, dans, des, dans des pièces à Paris. Euh, et c'est rare, je pense, c'est une des premières fois où euh, j'entends un invité qui dit bah, Nous, on a fait la création euh, à Avignon ou, ou ailleurs euh, qu'à Paris. Et euh, est-ce que, est que ça change quelque chose fondamentalement ou pas ou que ça, Je pense que c'est quand même un peu, avec tout le respect que je te dois, c'est quand même un peu une idée reçue. Ah, ben allons-y. Puisqu'il y a beaucoup de compagnies partout en France et qui commencent à créer d'abord ailleurs et puis qui viennent à Paris. En fait, l'intérêt de Paris, c'est que bah, c'est Paris, c'est la plus grande ville, c'est là où il y a le plus de, de lieux. Du coup, c'est un endroit de visibilité, en fait. De la même manière que le Festival d'Avignon, l'été est un endroit de visibilité. Donc, euh, ben, si on veut montrer son travail, on est un peu obligé de passer par la case Paris pour, euh, pour le vendre, entre guillemets, tout simplement. Euh, mais sinon, il y a beaucoup de choses qui se font euh, en province, évidemment. Et ce que ça change dans le travail, en fait, là, ce qui était très agréable, puisque le, les trois quarts de l'équipe est parisienne, mais moi j'ai ma compagnie avec Anne-Laure Gauffard, la co-directrice, à Avignon. Et, et du coup, euh, les comédiens sont venus à Avignon, puis à Cavaillon, et on est un peu en immersion, alors qu'à Paris on est très sollicité, on a d'autres rendez-vous, on a d'autres choses le soir, on a plein de choses. Et là, tout à coup, pendant deux semaines, on s'est retrouvé qu'à penser au spectacle, et c'est très précieux ces temps-là. Mais c'est euh, le principal avantage, c'est ouais. de ne pas être chez soi, de ne pas retourner chez soi, enfin, de ne ouais. pas oui, voilà, être, euh, être uniquement euh, oui. dans ce travail-là. Et ça ne veut pas dire qu'on fait 28 heures de travail, on non, travaille non. de la même manière que si on travaillait à Paris, mais on est dans un sas comme ça, permanent, où on est focalisé sur l'objectif, entre guillemets. Donc ça, c'est très agréable. Ok. Et je vous avais demandé de ramener à un, un bout de la pièce. Ça oui. peut être un costume, un décor, un accessoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous montrer ce bout de la pièce que vous nous avez apporté ce soir Alors, Alors. c'est un instrument de musique. D'accord. Et c'est en fait le... Ça fait partie des petits accessoires de la reine qui... Euh... Qui, oui. voilà, qui, qui, ouais. qui gratte un peu de guitare à ses heures perdues, où en attendant que tout se mette en place. Mais je voulais pas jouer, mais je fais juste <laughs> ça voilà, pour, pour illustrer. C'est une petite guitare de voyage. Euh, voilà. Pour l'instant, elle est là. On verra ouais. si on la garde. On hein. verra si on la garde. <laughs> C'est pas dit. Ah, d'accord. Elle aussi, elle n'est pas. Et la reine joue bouger. un peu de guitare à ses heures perdues. De la même ça. manière que le bouffon euh, crée le folklore olympique. Par exemple, il y a des jeux intellectuels à un moment. Et c'est lui qui crée la guitare électrique des jingles. Et il va faire aussi l'hymne du vainqueur ou de la vainqueur des Jeux Olympiques. Il va créer un hymne pour la cérémonie de clôture des jeux. Donc euh, voilà. Et puis il y a, y a beaucoup de musique euh, dans le spectacle. J'aime beaucoup ça. De et de musique, euh, ça va de Carlos, pour rien révéler, Carlos Big Bisou, à... à à David MacWilliams, The Days of Pearlie Spencer, qui est quelque chose de beaucoup plus années 70 et, et très rock. Euh, voilà, j'ai l'habitude de mettre beaucoup de musique et là il y en aura en plus avec la guitare sèche et la guitare électrique. Très bien. Euh, ben alors j'ai des questions un peu plus orientées sport maintenant à vous à vous poser. Euh, on en a déjà, vous l'avez déjà évoqué, mais je voulais, que vous, je voudrais que vous me rappeliez un peu votre votre rapport personnel au sport. Bon, apparemment, c'est boulimie. Comment C'est boulimie de sport, ce que tu, tu nous oui, disais tout boulimie. à l'heure. Oui, ouais. Bah, ouais, comme je disais, ouais. euh, foot beaucoup quand j'étais petit et puis, euh, et puis regarder beaucoup, euh, beaucoup de sport. Euh, je cherche pourquoi, mais <laughs> à part l'attrait. Très... Mais il y a un côté. Euh, bah, il, Pareil, ça va se rejoindre un peu avec le théâtre, mais il y a un peu un côté purgatoire en fait dans le sport. Purgatoire Ouais, c'est d'autres gens qui, qui font l'effort à ta place et qui, te... et qui te transmettent une énergie. De la même manière qu'au théâtre, ben, on vient transmettre une énergie et pratiquer la catharsis, comme on dit. Et donc c'est très cathartique le rapport au sport. Et. Euh, et puis, ça vide la tête. Enfin, moi, j'ai l'habitude de, de lire l'équipe assez régulièrement. Ça me fait penser à autre chose, en fait. Il y a, je pense que c'est ça qu'on vient chercher aussi au sport c'est que d'un coup, on n'est plus dans ces tracas du quotidien. On est sur autre chose, ce qui doit rassembler aussi. Ce qui est peut-être pervers aussi, hein, mais. Moi, euh, ouais. j'ai fait du sport, mais. Je, comment dire euh, Ouais, un peu comme ça. Mais mon sport à moi, quand j'étais jeune, c'était le le théâtre, mais c'est avec mon frère qui a fait plein de sports différents, dont la boxe, et mon père qui, qui, qui regardait beaucoup le sport où je me... Toute petite, j'ai regardé des choses... Je me souviens qu'on se réveillait la nuit pour, pour voir les matchs de Mike Tyson. Je me souviens de plein de Roland Garros, de tennis, de... Après, j'ai eu une période de foot. Maintenant, en ce moment, c'est le rugby. Mais comment dire J'ai pas j'oublie très vite c'est-à-dire que j'ai pas euh, je sais que tu peux que tu, tu peux me euh, par exemple toi tu as une mémoire sur euh, tel ou tel match ou moi ça j'ai pas du tout c'est vraiment comme un c'est comme un instant quoi où ça me ça me, ça me porte et puis après euh, après j'oublie <laughs> je peux très vite oublier et sinon au faire du sport ouais moi j'adore ça j'en fais ouais j'ai fait un semi-marathon en 2013 dont je suis très fière. félicitations <laughs> Alors je vous propose un petit questionnaire hein, rapide qui s'appelle le sport, le théâtre ou les deux. Je vous pose une question et vous me dites si pour vous la réponse c'est plutôt le théâtre, le sport ou les deux. Oh bien. Ok. Voilà et vous pouvez dire je passe au Joker dès que vous voulez. Euh, J'ai commencé tout petit, toute petite. Le théâtre. Le sport. Mes parents n'étaient pas hyper rassurés que j'en fasse. Le théâtre. <laughs> ah ouais. <laughs> euh, j'en fais régulièrement. Euh, le théâtre. Le théâtre. Le théâtre. J'y vais avec des amis. Les deux. Plus le théâtre. Le prix des places n'est pas donné. Les deux. Ah ouais, hein. <laughs> Ça, c'est certain. C'est réservé à une élite. Le théâtre. Oh, J'ai envie de dire les deux, vu le prix des places. Maintenant. Ah oui, c'est oh, vrai. Bah, c'est terrible. Vrai. Ouais. Oui, oui, oui. Non, non, les, exemple, les, les deux, les deux, mais même les abonnements maintenant. Télé, ah ouais. pas... Oui, non, c'est une blague. Les deux. Ouais, les deux. Euh, J'aime bien m'asseoir au premier rang. Le sport. Là, ouais, le sport. La tension est immense avant que ça commence. Les deux. Ouais. Il y a des renversements de situation. Les deux. J'aurais aimé être à la place de la personne qui est en train de jouer. Les deux. Les deux. Le sport. plus Parce que j'ai l'inverse, sinon j'aurais pas aimé être à la place de la personne qui est en train de jouer. Là, ça peut être les deux. Je suis parti avant la fin. Oh, Est-ce qu'on a droit de partir avant la fin d'une pièce Je l'ai fait très rarement. Je le fais très rarement, mais c'est très important qu'on ait le droit de le faire avec le public et le droit de le faire. Les gens sont libres de partir ou pas. Pour moi, c'est très précieux. Et, euh, et oui on a le droit de partir avant la fin d'un match aussi hein, ou dîner le prof sportif moi je suis jamais parti hein. mais ça m'est jamais arrivé par ouais. rapport au sport au, okay. thé au théâtre ça m'arrive à la fin j'ai pleuré <laughs> ah, ouf. intéressant ouais. je pleure pas beaucoup moi c'est pas j'ai beaucoup de distance avec les événements mais je crois que je m'enflamme plus après le spo au, au sport qu'au théâtre et moi c'est le sport c'est sûr oui. Euh, je suis ressorti grandi de ce que j'ai vu. Le, le théâtre. théâtre. Waouh. Ok, belle synchro. Belle synchro. Euh, les Français sont bons à ça <rire> <rire> bah, les, les deux. Oui. Allez, Allez. les deux. Bah, oui. deux. C'est moins bien à la télé. Euh, le théâtre. Oups, le théâtre, c'est atroce. quoi. Ouais, euh, autant le sport à la télé, tu peux quand même avoir des émotions, mais le théâtre à la télé, oui. c'est horrible. Ouais. Mon meilleur moment de communication, enfin de, de communion, pardon, mon meilleur moment de communion avec le public Sport, théâtre ou les deux bah, C'est quand même le, le théâtre, mais quand on le pratique, du coup, c'est pas Exactement. le même. Ah, ouais. Ok. Super. Eh bien, c'est bon, tout bon pour moi. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup, ça passe vite. Clémentine. Oui, ça passe Merci. vite. Merci, Merci à toi. Merci beaucoup, Raouf, d'avoir partagé beaucoup. ce moment avec nous. Alors, on va vous laisser préparer, euh, vous préparer pour la lecture d'un extrait de la pièce. Euh, on vous recevait donc pour la pièce « Du pain et des jeux, écriture et mise en scène » de Raouf Raïs, avec Émilie Baba, Clémentine Bernard, Erwan Daoufar, Boris Carré, scénographie Vincent Lefebvre, création vidéo Boris Carré... Costume Patrick Cavalier, création lumière Vincent Lefebvre et Julien Crépin, conseiller escrime François Rostin, chargé de production et collaboration artistique Anne-Laure Goffard. On pourra aller voir la pièce du 23 avril au 4 mai au Théâtre 13 à Paris, le 14 mai 2024 au Théâtre de Saint-Malo et les dates suivantes seront disponibles sur le compte Instagram de Tête de Lecture. Ce soir, dans le studio des Bonnes Résolutions, nous avions à la réalisation Léa Petel. Au son, Sébastien Aymon et Lua Nuzel à la prépa. Aux caméras, Clémentine Isaac, Florine Bobet et Anna Bourgarel. Daniel Hulbert à la lumière. Préparation, Elisa Roumani. Prépara présentation, pardon, Dimitri Sumin. Raouf, <laughs> Clémentine, on vous écoute à présent pour la lecture d'un extrait du pain et des jeux. Alors, on se situe, ça se situe plutôt au tout début de la pièce. Euh, C'est la reine qui est installée. Sur une chaise de jardin en tissu, des lunettes de soleil sur le nez, une couronne sur le crâne, un cocktail à la main, un parasol au-dessus de sa tête, elle s'était endormie devant des images d'archives de sport, elle se réveille en sursaut, elle a fait un cauchemar, et Emilio le robot dit 12 février 2024, c'est la Saint-Félix. Cependant, lorsqu'avec des peines extrêmes, on a fait six lieues dans ces solitudes embrasées, L'œil se repose avec délice sur une splendide oasis qui semble tout à coup surgir du sein des sables. Gustave Aymar. Bonjour Emilio. Bonjour maîtresse. Toujours ce même cauchemar. Toujours. Ces parkings, ces bruits de bottes, ces corps inertes, ces visages, ces gorges immaculées, ces bras détendus et cleans pas de coups mais pas de poux pas d'indices de lutte pas de sang ceci n'est pas un massacre c'est la nature qui suit son cours ce même cauchemar et ce même réveil en sursaut puis plus calme je végète je n'arrive plus à inventer le premier mot. Le premier. La première. Eh ben, c'est moi! moi. <laughs> Jouons un peu. Moi, moi, moi. La terre, les animaux, les plantes, les hommes. Les femmes, le Christ sur sa croix... Je sais pas. La préhistoire, Nelson Mandela, Hitler, la pénicilline, le soutien-gorge, la mort de Socrate, la cavalerie, les lumières, le peuple... Oh, c'est fatigant. Allez, encore un petit effort. C'est que du sport. La révolution industrielle, les Incas. L'ordinateur, la bombe atomique, la Révolution française, les croisades, l'homme sur la Lune, le clonage. Bof Allez, on n'est pas des peintres Les vaccins, les Jeux olympiques, les vikings, le supplice de la goutte, Guernica, les Jeux olympiques. Ah oui, peut-être une trêve. Il paraît que ça existe encore, la trêve olympique. Emilio Oui, maîtresse. Une courte trêve, mais qui nous permettra peut-être d'inventer à nouveau, de rencontrer de nouvelles personnes, des insouciants, des naïfs qui croient encore pouvoir changer la donne, qui ont encore un brin d'énergie et ne serait-ce qu'un tout petit peu d'espoir, d'abnégation. Je me sens déjà un peu mieux. Des Jeux olympiques et une grosse fête, avec un banquet, olympique lui aussi, avec des légumes et du poisson dans un cadre champêtre au bord de la rivière, sur la plage, avec des fruits et de la viande, de la viande et du pain, du pain. Du pain et des jeux, et le peuple sera content. Il suivra aveuglément les lois des seigneurs dieux. Le peuple est-il content? Assurément, il ne montre pas ses dents, il aurait honte, elles sont pourries. Du pain, il en a partout, sous toutes ses formes, pour tous les goûts, souvent même il n'est plus à son goût, et il faut en faire des cendres qui rempliront les déserts au lieu de les nourrir. Je me sens bien à présent. On va leur en donner du grain à moudre, du courage, de l'humilité, du travail d'équipe et du dépassement de soi de la bonne vieille niaque, de l'adrénaline et de la bringue, et des héros du quotidien. Emilio, convoque mes administrés et connecte-moi à la foule. Et tout ça, en musique. Merci. Merci à vous, merci Clémentine Bernard, merci Raouf Raïs d'avoir été nos têtes de lecture. Avec tête de lecture, on invite toutes celles et ceux qui pensent que le théâtre est ennuyeux, pompeux, intimidant, crypté, hautain à venir nous rejoindre. Car on est convaincu que sur les planches et derrière le rideau, il y a aussi et surtout des hommes et des femmes passionnés et passionnants, qu'il y a des moments à partager pour tous les goûts et tous les porte-monnaies. Des cœurs qui vibrent, des mains tendues, des regards vers l'autre, des rires, des larmes, de quoi penser le monde abîmé qui s'offre à nous. Tendez l'oreille. Écoutez-les nous parler d'eux, de leurs rêves, de leur art, de leur sport même, et puis, si vous l'osez, poussez les portes d'un théâtre et allez les voir sur scène. On vous y espère nombreux, c'est notre but. C'est la fin de ce magazine pour tous ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le savent pas encore. Tête de lecture.